Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux, Assour, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie comme une nation impie. Je lui ai donné mission contre mon peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assour ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assour a dit : C'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves. Fort entre les forts, j'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur des richesses des peuples, comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, et il n'y a pas eu un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assour. Et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qu'il piétine, et ton domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Ils disent : Le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour ? Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil et il ne verrait pas. Il a puni des peuples et ne châtierait plus, lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Commentaire de Guillaume de Saint-Thierry. Tu l'as révélé au tout petit. Lorsque ta nature hésite dans les mystères trop profonds de la foi, dis sans crainte, non pour t'opposer, mais avec le désir d'obéir comme Marie, comment cela arrivera-t-il? Que ta question soit une prière, qu'elle soit amour, dévotion, humble désir, qu'elle ne scrute pas avec hauteur la majesté divine, mais qu'elle cherche le salut dans les moyens de salut du Dieu de notre délivrance. Personne ne connaît les secrets de Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Hâte-toi donc de communier à l'Esprit Saint. Il est là dès qu'on l'invoque. Si on l'invoque, c'est qu'il est déjà présent. Dès que tu l'appelles, il vient. Il arrive dans l'abondance des bénédictions divines. C'est lui, le fleuve impétueux qui réjouit la cité de Dieu. Lorsque de sa venue, s'il te trouve humble et sans inquiétude,
mais tremblant à la parole de Dieu, il reposera sur toi et te révélera ce que Dieu cache aux sages et aux prudents de ce monde. Alors commenceront à briller pour toi toutes ces vérités que la sagesse pouvait dire aux disciples alors qu'elle était sur terre, mais qu'ils ne pouvaient pas porter avant la venue de l'Esprit de vérité qui leur enseignerait la vérité tout entière. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, Père, tu l'as révélé aux tout petits selon ton plaisir. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. Oui, bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Bien des rois et des prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez. Venez à moi, vous qui